Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je vais rebondir sur la citation d'Andrew Grove qui nous dit « La qualité de notre communication est déterminée non pas par la manière dont nous disons les choses, mais par la manière dont elles sont comprises. » Attention tout de même, il faut faire attention à la manière dont nous disons les choses. J'ai déjà écrit effectivement des articles sur la communication non violente, j'ai fait aussi des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à aller sur mon blog ou à regarder sur ma chaîne YouTube. Il faut faire attention quand même à la manière dont nous disons les choses. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Nous devons nous assurer à chaque fois que la personne a bien compris ce que nous avons dit. Ça, c'est essentiel. Comment est-ce qu'on fait concrètement? On fait reformuler. Si par exemple, on confie une nouvelle mission à un de nos collaborateurs, on va lui demander de reformuler l'objectif qu'il doit atteindre, le reformuler la mission pour s'assurer qu'il a bien compris la mission. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on aura beau communiquer de la meilleure des manières possibles, la personne peut-être ne comprendra pas parce qu'elle fonctionne différemment et donc la manière dont on a dit les choses, même si c'est extrêmement bien fait, peut-être que dans son mode de fonctionnement, elle n'a pas tout très bien compris. Donc il faut, et ça c'est essentiel, c'est pour ça que je vais rebondir sur cette citation d'Andrew Grove, c'est qu'il faut s'assurer à chaque fois qu'on passe des consignes, qu'on passe un message, qu'on a exprimé quelque chose, il faut s'assurer que nos équipes ou que l'individu, le collaborateur, ait bien compris ce que nous venons de dire. Et pour ça, c'est très simple, on va leur demander de reformuler ce qu'on vient de dire pour s'assurer que ça a été bien compris. Voilà, c'était l'astuce du jour, elle est extrêmement importante parce que la communication, ça se fait à deux. Il y a ce que j'exprime et ce que l'autre reçoit. Et il faut s'assurer que l'autre ait bien reçu ce que nous avons dit. Donc, il faut le faire reformuler. J'espère que ça vous aura aidé. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.